pas fait troisième année depuis que nous sommes première dame, mais ça pas fait troisième décembre, mais t'as qu'à dire que nous fait ça pour grand monde. Parce que son tranche d'âge qui en général négligé, mais faut ne pas oublier que c'est eux qui apprennent, nous ça nous connaît. C'est-à-dire que nous devons honneur et respect et pour l'âge que nous avons. Et ça avec un sentiment de contentement que là, parce que j'aime ça dire, c'est dans mes grands mondes que nous apprenons. C'est grand monde qui fait l'histoire, c'est grand monde qui raconte nous, pour nous-mêmes nous raconter petit nous. Ça veut dire que je suis content pile de partager ce moment ça avec nous aujourd'hui. Bon, moi connais que et mairie à travers le pays, hein, moi crois que c'est eux qui responsable différents asiles qui gagnent. Et pour aujourd'hui, hein, nous prenons des monde dans différents quartiers, d'accord, de la zone métropolitaine qui viennent fêter avec nous. Mais moi connais que à travers le pays, il y a des petites activités que y a fait pour grand monde. Est-ce que vous avez des souhaits Bon, souhait vieillard, c'est pour continuer à partager avec nous connaissances, parce que j'ai une expérience dans mon monde, c'est dans tête liée, pour continuer à partager l'expérience avec vous, même surtout comme message pour jeunesse, pour apprendre à respecter et grand monde, vous avez un droit d'aînesse et pour jeunesse aider vieillard tout, parce que vous avez l'âge qui est côté, c'est vous-même qui besoin, nous-mêmes qui plus jeunes, pour vous apporter support, bah, tout l'amour. Que méritait tout le monde que nous devons bah merci. Merci. Bon, nous faisons des kits qui ont des bagages hygiéniques là-dedans et nous connaissons en général toujours des bagages sucrés et nous avons des bonbons, nous avons des kits. Mais année ça en ajouté, nous travaillons avec le ministère des Affaires sociales et à travers la caisse d'assistance sociale. Il a porté une enveloppe pour les personnages aujourd'hui. Merci. Là, nous avons à peu près 550 personnes du troisième âge. Ministère des Affaires sociales. À travers la caisse d'assistance sociale qui est CAS, nous sommes bien contents matin. Alors je dis, nous avons esprit de solidarité que la première dame a exprimé avec les personnes âgées pour nous là. Et ce travail ça nous fait parce que CAS, depuis 75 ans, il existait, c'est pour encadrer des vieillards, des handicapés. Donc nous là, nous sommes bien contents pour que nous même esprit de solidarité ça, pour que CAS te réponde présent, pour que nous te portons un petit cadeau pour les vieillards qui sont là aujourd'hui. Mais dis-nous, est-ce que le programme ça que nous aujourd'hui arrivons à réaliser, est-ce que nous en province, est-ce que c'est uniquement les grands mots qui sont dans le monde de président? Bon, je ne sais pas qui est côté sorti, mais sauf que la première dame non, et demandé au ministre des Affaires sociales, qui c'est Charles Jean-Jacques, pour que CAS soit présent matin, pour que nous soyons capables de faire une distribution d'enveloppe à tout vieillard qui participe dans la fête ça matin. Ok, mais est-ce que nous déjà bouclé l'année là pendant que nous mettons les enveloppes ça bon, pour moi-même, l'année a beaucoup bouclé parce que lundi, CAS a continué à payer vieillard nous, handicapés nous, on a continué à payer jusqu'à ce que l'année a fini. Mais c'est que l'encadrement vieillard, comment est-ce que est-ce que le cadrement vieillard a été manqué pays à juste là? Bon, nous pensons que c'est important pour que CAS, ministère des Affaires sociales, dans quatre assistance pour que nous toujours aller vers les vieillards, vers les handicapés, les gens qui ne peuvent pas déplacer. Et nous pensons que c'est un bon geste que la première dame fait aujourd'hui, le fait que rassembler toutes les vieillards ensemble, nous esprit de solidarité pour que nous fêtions avec eux. Donc nous sentons que les vieillards sont contents matin, le fait que vous encadré par la première dame, vous encadré par le gouvernement.